Voilà, tu as vu planer sur l'eau. Non, Non, mais non. Non, Peter, je vais pas jouer avec. Non, 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 non. C'est ça, c'est trop tentant et je veux pas. Tu vois. Voilà. On n'a pas le droit, il y a du monde potentiellement dans la boucle, pas trop trop loin. Donc, non. Par contre, je suis en train de faire une gerbe d'eau de l'autre côté. Il y a de l'eau qui passe au-dessus des ailes. Je suis en dessous de Migaz là. Pas d'où elle passe. Essaie de te rapprocher Alors, un regarde, petit peu regarde. d'où vient cette gerbe. C'est les wingtips, regarde. Tu vois le Ah oui, wingtip? d'accord. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et t'en as une rentrée en dessous aussi, sous les ailerons. C'est pour ça que tes cerveaux, ils en prennent plein la gueule. Les cerveaux, ils sont sur l'aile. Petit peu de marche arrière. Non, c'est pas ça. Marche arrière, c'est celui-là. Là, par contre, tu vois, là. Là, j'ai intérêt d'y aller tout doucement pour la marche arrière. T'as mis la truc arrière? Ouais. Cette ESC est à la fois étanche et fait la marche arrière. Et ce qu'il y a de bien, c'est que t'es pas obligé de couper les gaz pour passer de l'un à l'autre. Voilà, il coupe tout seul et il repart dans l'autre sens. On a presque réinventé le train. Ça en vol, ça fait quoi? Bah, ça coupe le moteur et ça passe le moteur dans l'autre sens. Il est prévu pour les ESC qu'il y a sur Mais en le. plein vol, ça fait quoi? Bah, ça freine la machine, ça la freine. Il y en a un qui l'avait mis sur cet avion-là, il a essayé. En fait, il coupe le moteur, il le met en descente et hop, et il met le moteur au poussée inverse et il le fait descendre. Et en fait, l'avion met du temps à descendre. Après, jusqu'au moment où tu n'as plus assez de portance et tu te casses la gueule. Surtout que ça, c'est une aile delta. Comme ça, tu ralentis, 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 C'est ça, en ralentis, fait, le gars. avant d'aller au sol, tu coupes. Un peu risqué quand même. Moi, personnellement, je suis pas sûr d'avoir les couilles de faire ça pour péter mon avion. En tout cas, les couleurs, ça marche. Même quand il fait sombre, tu le vois bien. C'est ce que j'ai constaté mercredi dernier. Le mien, un trou trop blanc sur le ciel blanc, je vois plus alors. Le problème, c'est quand c'est à l'horizontale. Ouais. Tu vois, quand c'est bien aplati, là tu dis merde, où est-ce que c'est? Et là, tu commences à descendre ou monter un peu, et là tu revois la surface de la machine. Il était plaisant, mercredi, on s'est bien marré. C'est sympa le coin. Ouais. Bon, ça s'est bien passé en plus avec Avec la. la marée chaussée. C'est sympa. Mais bon, de toute façon, on ne pourra pas le faire souvent. Non, non, faut. Mais tu vois, enfin, ça aurait été bien en substitution. Oui. Après, voilà. Bah oui. Attention parce que. Quoi? Je suis en train d'enregistrer. Donc là, j'ai recollé mon aileron, j'ai recollé mon aileron légèrement découpé par Thierry à 2/3 de sa longueur. Je l'ai recollé hier. Du coup, je suis un peu limite pour la U-Port, mais ça va. Pourquoi est-ce que vous là? Parce que je suis en train de tourner à 2 à l'heure. Regarde. Ah, celui-là, on sait qui l'envoie, Peter, ce moteur. Ce moteur, on Peter, sait il qui envoie, ouais. l'envoie. Ce Peter, on sait qu'il envoie le moteur. Bon. On a compris quand même. Ah, Il faut remettre des mots en place après. En ce moment, Remettre j'arrête des pas de ordres. déconner au niveau des mots. Là, il vit sa vie tranquillement.
Avec le couple moteur, il tourne un peu à gauche. Ouais. En bombe. Ouais. Par contre, un avion comme ça me fait une bombe et demie de jaune. Et celle de fluo, pas beaucoup. Mais il n'y a pas grand-chose dans leurs bombes, elles sont un peu vides. Et pourtant, j'ai essayé de ne pas faire 20 000 passages. Non, je suis content de ma décoration. Il va tourner comme ça cet été. En dessous, ça en dessous, en dessous, moi par contre, je te conseillerais de mettre des traits noirs en dessous. Parce que là, c'est pareil, hein, celui-là en dessous, il a des traits noirs. Parce que quand le dessus ou le dessous, des fois, au bout d'un moment, tu as un doute, l'avantage du noir, c'est que tu le vois très bien quand c'est en dessous. Le mien, il a les lumières. Non, 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 non. Si, Moi, monsieur, j'ai les lumières, je fais boîte de nuit, ta-la-la, et pas toi. Voilà, super. La précédente version de celui-là avait des lumières. Ça lui a pas porté chance pour autant, mais. On amorce doucement le virage. Ça va, je suis pas en l'air. Attends-toi. C'est l'avertissement que trop bas. Non, l'alarme de temps. Ah. Le chrono. Voilà. Donc là, il est en train de décompter le temps négatif. Il est temps de te poser. Je suis plutôt calme et posé aujourd'hui. Par contre, il a du mal à tourner. Dès que tu mets un peu de pression, ça soulève un peu le cul. Et du coup, le gouvernail ne baigne plus trop dans l'eau. Et si je mets un gouvernail plus long, quand j'atterris sur le sol normal, je le bousille. Oula! Putain, là, les gars. Ça fait godille. Hein. Là, vous faites pas semblant, les gars. Évite de trop aller vers les pêcheurs là-bas, parce que sinon ils vont grogner. Mais un peu plus fort, voir un petit peu. Oui, super. Oui, ça y va. Là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. T'as mis gaz? Largement suffisant. Il y a même un peu haute, ça donne trop de coupe. Ce qui est marrant, c'est que j'ai un wingtip qui va se prendre l'eau et pas l'autre. Par contre, là, la direction, il n'y a pas de problème. Hein. T'as plus que ce qu'il faut. Hein. Attention au rocher. Est-ce que c'est le moteur qui a coupé, le SC ou le récepteur? T'avais toujours la direction ou pas? Ouais, donc c'est le SC qui a coupé, hein, c'est pas le moteur. T'as fait la plage des gaz maximum minimum ou pas? Non. Comme d'habitude. Allez. Punition. Bah, toi aussi, si tu fous ton cul sur une planche à fakir, c'est normal. Hein. Tu vois là je ramasse pas de flotte. Bon, en mode un peu quand même, on va. C'est bien. Mode pépère touriste. Là. Navigation tranquille. C'est ça. Sors ta canne à pêche, ouais. Ta bière, ton burger, et c'est bon, c'est parti pour la journée. Et tu passes l'après-midi sur le. Ah, y en a, je suis sûr qu'il y en a qui font ça avec des hydravions, qui se posent au milieu de la mer et qui profitent pour aller nager ou des trucs comme ça en étant tout seul. Hein. T'aimes bien des gonzesses que tu vois se mettre à poil sur des bateaux quand les gars ils sont un peu loin des rives. Mmh. La dernière fois au shoot, pareil, tu vois bien que la poutre de queue derrière, elle est moins droite qu'avant. Ouais. Faudrait que je vois en vol ce que ça raconte.
sais pas, peut-être mercredi, on verra. Si... Oui, c'est mercredi. Hein. Tout le lendemain, c'est 15 août, pour repos. Ah oui, je vais peut-être prendre le 16, moi. Pour... Pris, déjà, moi. Pour me faire une petite journée juste pour moi. Juste pour moi tout seul. J'ai pris le 16 et le. Tu vois, tu vois ou pas là le... Oui, oui, oui. Mais il est... Je vois. Nous, on va à Lourdes. Ah là là. Tu as lourdé du pognon? Bah, j'en ai lourdé pour le voyage, tout ça. Eh ben, débranche, rebranche. Non mais, c'est avant Peter. Hein. Peter, c'est avant. Hein. Non, 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 non. Non, non, débranche, débranche, débranche. T'as fait le con, là. C'est au début que tu dois mettre le gaz à fond. C'est quand tu le branches. C'est pas une fois que t'as... Non, non. Toi, tu branches le SC, après tu montes le, non, tu non, montes non, le non, manche. Eh, je t'ai vu faire, Peter. Bon, ben, je t'ai vu faire. Vas et là, je t'ai vu faire, en tout cas. Voilà, attends, tu vas voir. Eh ben c'est bon. Là s'il fait plus de bip c'est bon. Tu vois? Je mets une programmation. Là il fait plus rien du tout là surtout. Débranche. C'est avant qu'il faut le faire. Tout début. Je reconnais aussi cette ESC curieusement. Ah oui, c'est orbiting hein. Bon alors je reviens. Par contre t'as un problème sur la. Un problème sur la prise? Si t'as un problème sur la prise, tu vois les deux quoi, ils sont pas au même niveau. Hier quand t'as soudé, t'as fait fondre une partie du plastique. Oh mais ça j'en tu vois ai ou pas plein comme ça ouais. Mais c'est parce que tu soudes trop chaud et trop longtemps. Ah ouais d'accord. Bon ben ou on tu va soudes, rebinder, tu soudes chaud mais trop longtemps. On va rebinder. Non non mais là si tu le rebranches il va repartir. Non, ça partira pas. Attends parce que j'ai un truc moi qui est en train quand même au milieu du. Non, pas au milieu de l'eau. Tiens. Tiens, je vais peut-être arrêter la vidéo parce que du coup,